La main qui tient le couteau recule, puis avance et s'immobilise. Absalom tressaille, inspire profondément et baisse les yeux. La lame a disparu dans son abdomen. Cette semaine, j'ai un excellent roman pour les vacances ou pour la plage. Il s'agit du Chasseur de lapins du duo Lars Kepler qui nous avait donné L'Hypnotiseur, un roman que j'avais dévoré il y a quelques années. Alors cette fois-ci, on se retrouve dans le milieu de la politique et de la haute cuisine. Je vous explique. Le ministre de l'Intérieur est assassiné au moment où il va tenter une expérience très violente avec une prostituée non consentante. Immédiatement, le gouvernement va s'emparer de l'enquête parce qu'il craignent un attentat terroriste. Ajoutez à cela un policier, désormais en prison, qu'on va retourner chercher pour l'envoyer résoudre l'enquête, et un chef cuisinier très populaire, une espèce de Ricardo qui est partout à la télévision, qui est très populaire. Et vous avez un roman complexe et passionnant, ce qu'on appelle un page-turner, un roman qu'on est incapable de s'empêcher de lire. On y aborde les thèmes de la filiation, relation père-fils, la vengeance, le passé, la santé mentale. Je l'ai commencé, j'ai été incapable de m'arrêter avant d'avoir terminé. C'est vraiment un roman que vous allez dévorer.